Et bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Song of Horror. On se retrouve avec Omar de nouveau qui va se dire après tout, hein. Je me faisais un peu chier. Si on allait retourner un petit peu dans les archives. Ça s'est super bien passé la première fois. C'est plus une salle sombre avec des caméras. Bibliothèque des journaux du département d'histoire. Putain, mais faut changer les néons, les gars, quoi. Non. Moi, ça me fait flipper ces trucs. Franchement, ces scènes d'université, ça me fait flipper. Les résultats des examens de juin sont toujours épinglés. Super. La Première Guerre mondiale. On pourrait avoir la mitrailleuse ou pas? Je veux voir la mitrailleuse. On prend la mitrailleuse, non? On peut pas avoir la mitrailleuse? Merde, c'est dommage. Il ferait moins le malin si on avait une mitrailleuse. On peut écouter. Fort bien, écoutons. Bon, bah, c'est pas qu'on n'a pas le choix, de toute façon, c'est la seule porte, hein. Connais notre carte. Couloir central. Qu'est-ce que c'est que toutes ces portes? Vous êtes sérieux là? C'est une blague? Alors, 22e conférence internationale sur l'histoire des sciences. C'était à Beijing, j'ai été envoyé par l'université grâce à adorer le cadeau que je lui ai rapporté. Super. Et sinon, les journaux? Un bouton d'alarme incendie, je dois éviter de toucher à ça. Ouais, ok. Elle semble entendre un petit bruit au début, mais je suis pas sûr. C'est quoi ces notes? On dirait des mots écrits de façon aléatoire. Qui a réussi à arracher le câble téléphonique? Ok, donc ce téléphone va sonner avant la fin de la session, on est sûr maintenant. Pour une fois, un espace ou une table qui n'est pas encombrée. Je pourrais me cacher s'il le fallait. Ok, on a une cachette. On est tout de suite vachement plus serein avec une cachette. Sébastien n'aurait jamais utilisé un ordinateur, je ne pense pas qu'il sache même comment l'allumer. Putain, Sébastien, tu fais chier. Putain, les monstres des écrans, quoi. Je suis quasiment sûr qu'il y a un bruit au début là. Ouais, il y a un bruit hein. Franchement, il y a un bruit. Moi, je dis il y a un bruit. Personne dans le secrétariat. Quoi ? Oh, the secretary's office sensor is on. Je pense qu'une clé ferait la ferme en réalité. Lorsqu'il y a personne dans le secrétariat, ce capteur ferme la porte aux personnes non autorisées. C'est fait fermer de façon... Ah non! Ah non, c'est là que ça va être fermé, d'accord. Je pense pas qu'ils manquent tellement d'espace qu'ils doivent garder tout cela ici, écoute. Ah, écoute, Damned, dans la session 2, j'ai perdu Erika sur une porte où franchement, il y avait un bruit quand on écoutait genre 20 secondes tout à la fin, quoi. Donc maintenant, je me méfie. Ok, on a une radio. On dirait que le couvercle des piles est bloqué, je ne peux pas l'ouvrir. D'accord, on va peut-être avoir besoin de piles.
C'est incroyable que nous soyons la chambre de Maxwell comme débarras. Le pauvre homme a la patience d'un saint. C'est sa chambre, ça? T'es sérieux? Ah putain. Caméra est là, elle nous regarde. Là, ça va être fermé. Là. Ok. Non. Ouais, c'est le détecteur de mouvement dehors, on est d'accord, qui nous a capté. Donc maintenant, là dans l'os. Oh putain, sa mère! Et pourquoi l'horloge elle accélère aussi là? Est-ce qu'on doit vraiment suivre ces traces? Mais tuez-moi! Non, ne me tuez pas. Pardon, je voulais pas dire ça. Voilà, c'est pareil, j'ai l'impression qu'il y a un bruit au début. C'est peut-être juste lui qui fait un bruit au début. Alors, écoutez, on va tenter. Visiblement, on n'est pas mort. J'aime pas cet endroit. C'est quoi cet endroit? Note d'un peintre. J'ai abordé des fleurs à la secrétaire aujourd'hui, mais elle n'était pas là. Personne n'était là. Où sont-ils tous passés? Toute l'équipe devait se rassembler ici aujourd'hui pour peindre. Il s'agit d'une blague, je trouve pas drôle du tout. Je ne peindrai pas tout seul, je m'assoirai ici jusqu'à la fin de la blague. Si n'est pas de retour d'ici là, je partirai d'ici. Vous pouvez le dire au patron si vous voulez. Dites-lui en quoi vous trouvez drôle de tout disparaître parce que j'avais une demi-heure de retard. Vous verrez alors s'il rira de votre blague. C'est pas drôle, sérieusement, ça n'est pas du tout. Allumez les lampes, veuillez allumer les lampes s'il vous plaît. Putain de merde. La peinture est totalement sèche. Solide comme un roc, on pourrait peut-être assommer la bestiole avec. Les traces ont disparu, parfait. Oh, attends, va falloir explorer toutes les pièces une par une. Ah, c'est un peu plus cosy qu'à côté. Quoi ce bruit? Ah. Pardon. Je bois un coup. Ah la vache, qu'est-ce que c'est que ce truc? Qu'est-ce que c'est que ces images? Putain de merde, tu as raison. Ces notes ont été rédigées par les professeurs du département d'histoire moderne. À ma connaissance, la dernière réunion qu'ils ont tenue ici remonte à 2 mois. Putain.
Ah ouais, mais tu veux faire quoi? Tu peux pas te cacher sous cette putain de table? Alors on est d'accord, Damned, quand il y a ce truc des voix là, il s'attend à quoi le jeu? Que je m'enfuis? Que je joue les portes comme ça, comme un sac et que je me casse ou... Parce que je suis un peu paumé à chaque fois sur ce qu'il attend que je fasse. Parce que l'épisode d'avant là, il y avait clairement un truc derrière la porte quoi. Ok, tu bouges pas et t'attends que ça se passe. Bon. Oh mais y a trop de portes quoi. Ouais, en fait, il y a un petit bruit à chaque fois au début, mais ça doit être ses vêtements qui craquent ou un truc du style. Ok, la salle de pause. Parfait. Putain, c'est immense encore. Un robinet qui goûte, on peut pas le fermer, non. Rien d'intéressant ici. Un porte-mine métallique. Il y a une pointe acérée, mais je pense qu'il n'y a plus de fil. Ok, maintenant on a un pot de peinture, un porte-mine, on va pouvoir fabriquer une masse d'armes artisanale. Ok, on pourrait se cacher là, éventuellement. Donc c'est la salle centrale. Hein. Combien il y a de portes? Deux portes, très bien. Il peut nous dire, il y a des vêtements, les gens sont forcément quelque part. Non, même pas. Là, on nous propose pas d'écouter, bah go, allons-y. Hein. On a raté deux portes, du coup. Les gens fument dans les zones d'études. Bureau. Ok. Maxwell devrait avoir les clés. Bah Maxwell, on a une alliance mais pas de clés donc. Maxwell, je pense qu'on va pas le revoir tout de suite. Hein. Puis je retourne pas fouiller son cadavre. Hein. Fermé. Oh là là, sérieux. C'est l'enfer cette zone. Ces clés sont destinées aux chercheurs qui utilisent les bureaux. Je me demande qui garde les clés. Bah Maxwell au hasard. Couloir, sortie de secours. Ah, super idée, tirons-nous. J'aime cette idée. Va te faire foutre, Merino. Ouais, je vois que le professeur est toujours aussi populaire parmi les étudiants d'histoire de l'art. Je pense savoir qui l'a fait. Bon, ici, ça nous dit qu'on ne veut pas y aller, parce qu'après tout, pourquoi pas. Un petit rouleau de peinture, un rouleau éponge servant à peindre les murs et les plafonds. Dieu merci, l'éponge n'a pas fait de dégâts, en fait c'est encore un peu humide. Ok. Ok. Ok, 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 ok. Ok. Non. La porte a été bloquée avec une chaîne. On a toujours notre coupe-papier géant là? Ouais.
Mais c'est de l'autre côté qu'on est d'accord. Hein. Je peux pas. Je peux pas utiliser ma cisaille. Non. Bon, on verra si on arrive de l'autre côté en vie. Je le sens de plus en plus mal cette histoire. Putain, puis il y a des caméras des deux côtés, mais il n'y en a pas un qui est capable de spotter un étudiant qui dessine sur un mur, quoi. C'est rien que ça, c'est la preuve que les mecs ils étaient tous morts, quoi. C'était où la cachette la plus proche? Dans la salle de repos, putain. Il n'y avait pas d'autre cachette. Putain, mais ils nous ont fait un truc qui vient de la cachette, quoi. Putain, cours. Cours, cours, cours. Merde. Bah... Bah ouais, mais la seule cachette qu'on avait, bah elle était dans l'endroit d'où ça venait. Alors est-ce que j'aurais pu rentrer pour me cacher? Je sais pas. Salut Poslovich, tu tombes bien? Toi qui aimes bien les jeux d'horreur, c'était le bon moment. Quand vous êtes en danger, voilà. Ah non, mais il y avait aucune cachette. La seule cachette a été dans la pièce où d'où venait la saloperie, quoi. C'est abusé. Franchement, c'est abusé. C'est abusé. Ah, je suis blasé. J'avais presque réussi à m'en tirer avec lui, quoi. Bah ouais, Poslovich. Là, mon perso vient de se faire buter par le monstre qui hante les couloirs. Faut pas tout refaire, parce que c'est par scène, et en fait il a laissé dropper tout son loot et tout, donc prochain perso que j'aurai, si j'arrive à retourner à l'endroit où il était sans mourir, je peux récupérer le truc. Et là où il faut tout refaire, c'est si on perd Daniel, qui est le personnage principal. Donc si jamais on joue avec lui qu'on le perd, là par contre faut recommencer le chapitre. Mais les autres personnages, on peut les sacrifier, c'est pas un problème. Mais je vais m'arrêter là, franchement. C'est horrible, quoi. Je suis désolé, mais je vais arrêter la VOD là, déjà. Parce qu'il faut que j'aille remplir ma bouteille d'eau dans tous les cas. Et je vous remercie d'avoir suivi. Et on se dit à très vite pour la suite. Si vous voulez dire au revoir à la VOD, n'hésitez pas. N'hésitez pas, n'hésitez pas. Je vous laisse quelques secondes avant de couper. Et je vous dis ciao, ciao tout le monde.